Les appels à projets sont mis en place par la Fédération française de handball et il y en a 6 pour rythmer la saison afin de mettre en avant les nouvelles pratiques et de motiver les clubs à organiser des événements autour de ces différentes pratiques, dont le hand ensemble. Le hand ensemble comprend 3 pratiques mixtes et inclusives. On a le hand sourd pour les personnes sourdes et malentendantes. On a également le hand fauteuil pour les personnes en situation de handicap moteur et ou physique au niveau des membres inférieurs. Et le hand adapté pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle et mentale. L'appel à projet hand ensemble se déroule sur environ 2 mois. Il commence début décembre pour se finir fin janvier. Et l'action, ou en tout cas le projet, doit se dérouler au mois de mai. Cet appel à projet est soutenu par Lidl qui a défini une carte nationale des territoires. La région Grand Est est découpée en 5 régions, ce qui nous laisse la possibilité d'avoir jusqu'à 5 lauréats régionaux. La structure qui dépose le projet doit être un club de handball ou un comité en collaboration avec un club affilié à la fédération. La structure doit disposer d'un éducateur. Il doit déposer un projet autour du hand ensemble et concevoir une séance découverte également du hand ensemble. La structure doit se créer un compte sur la plateforme d'appel à projet. Elle doit remplir le dossier en apportant les informations sur le club et également en détaillant le projet. Une fois que le dossier est déposé, c'est au tour de la Ligue en premier de valider ce projet, puis la Fédération de le valider et enfin Lidl choisira les lauréats pour chaque territoire. Les dotations pour les participants et les lauréats seront de l'ordre financier et matériel.